voulais essayer d'apporter quelque chose aussi à l'église. Et puis le vendredi aussi. Mais le dimanche, le pasteur Timothée va revenir pour me dire au revoir. Pasteur donner son dernier sermon pour me dire au revoir. Parce qu'il doit retourner la semaine prochaine. Tu fais quoi? Afin qu'on puisse la next week. Il y avait notre frère Jérémy qui est aussi venu. Could brother with what we know, brother Jeremiah? Dans celui de Kasson Balais à la com. Next week. Alors on avait jugé bon qu'ils peuvent partir ensemble avec lui. On a constaté, on ne l'était pas moins. Alors c'est lui qui peut le retenir. Peut-être le mercredi, il peut déjà partir. Nous sommes à peine pas Wednesday, ni Spangain. Et le pasteur Ben aussi est parti pour Kasson Balais hier. Pasteur Ben est à Inda Kasson Balais maïdo. Alors il m'a aussi chargé de vous saluer aussi. Aniuza kutizona ni passer ni moni. Amen. Amen. Bon, j'avais un petit constat que j'avais fait. Nezekona notice yamene nezinachita. Cela m'avait beaucoup préoccupé tous ces jours. Inani tenga maningi masiku yonse. C'est de cela que je voudrais essayer de parler par la mesure de la grâce que Dieu va nous donner. Ni funo kambira po mwachi somo chamene azati pasila mulungu. Vous savez, l'année passée, le 31 décembre, nous avions été ici. Nous avons fêté ensemble. Nous avons fait des vœux. Nous avons fait l'inventaire de l'année qui était en cours, qui était en train de se terminer. Alors j'étais en train d'observer, l'année étant encore de s'écouler. Bientôt là, après 3 mois, ça sera l'autre nouvel an. Souvent, on a l'habitude de fêter ensemble le 31 décembre. Je crois qu'on va encore faire l'inventaire de ce que nous avions fait dans cette année qui vient de s'écouler. Alors, j'étais en train de méditer sur cela. Il ne faut pas qu'on ait seulement l'habitude d'attendre le 31 décembre. Même dans des entreprises. Dans des entreprises. Ma compagnie. Je crois. Avant les 31, souvent aussi, ils font aussi des inventaires. Before 31 donc, ils font les inventaires à la fin de l'année. Mais il y a un moment donné, avant qu'ils arrivent à cela, ils font d'abord ce qu'on appelle les évaluations. Voir un peu des estimations. Est-ce que réellement, à la fin de l'année, est-ce que nous aurons vraiment de bons résultats ou pas? On ne peut pas seulement attendre, mais on peut déjà voir des estimations, voir déjà même l'attente du résultat sera négatif ou bien positif. Si on c'est pourquoi my evaluation yama watanzira pour améliorer les résultats de la fin de l'année. Bakuti ya kuze ma result ya mapeto ya chaka. Quand ils voient que en tout cas la manière la lire dont vont les choses. Bakawona tizona momene viende la vintu. Parfois, vraiment, à la fin, nous n'aurons pas de bons résultats. Donc, on peut améliorer de cette manière et de cette façon afin que les résultats soient meilleurs. Et c'est ce que je voudrais peut-être faire dans ces deux jours. On fasse un peu l'évaluation. Il y a eu beaucoup des hommes de Dieu qui ont défilé du haut de cette chair depuis le début de l'année. En commençant par moi-même, nous avons reçu le pasteur Polycarp. Le frère Israël est passé aussi deux mois. Brother Israël, Docteur Romba a parlé. Docteur Romba a parlé. Il y a eu quand même des gens différents qui ont parlé. Et quand j'essaie un peu de faire les conseils personnel, ça c'est un constat personnel. Je demande parfois à chaque moment les gens après avoir écouté la parole. C'est les gens après
m'appréciez toujours. Non, ça a été meilleur. Ah oui, c'est bon. Non, ça a été bon. Non, c'était vraiment bon. Mais quand j'essaye de voir le résultat de ce qui a été bon dans les vies, vous trouvez que c'est comme si la parole n'avait pas trouvé la place dans le cœur des gens. Donc les gens, ils apprécient la parole réellement, mais ils ne la vivent pas. Les gens peuvent apprécier vraiment notre pasteur a bien prêché. Il a vraiment bien étalé les histoires. Mais prendre ces choses-là et les appliquer, c'est autre chose. Alors je ne voudrais pas qu'on arrive à la fin de l'année. On commence à faire des inventaires. Qu'on puisse encore revenir comme l'année passée. Il faut quand même une évolution. C'est pourquoi avant qu'on arrive là, je voulais quand même apporter quelque chose par la grâce de Dieu. Et je demanderai beaucoup l'attention de chacun de nous. Et je crois que ça va aider quand même quelques personnes. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Lisons dans Jérémie 18. Le premier verset jusqu'au sixième verset. From verse 1 up to verse 6. Nous lisons cela au nom du Seigneur Jésus. Vous avez vos Bibles? Je crois même la technologie a quand même facilité les choses. Je crois que chaque personne a son téléphone. Mais vous allez trouver qu'il y a des gens qui n'ont pas même pas de Bible même dans leur téléphone. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. This is the word of God that came to Jeremiah from the Lord. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Go down to the I will give you my message. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. So I went down to the potter's house and saw him working at the wheel. Le vase qu'il faisait ne réussissait pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. But the pot he was shaping from the clay was marred in his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him. Je voulais répéter cela bien parce que je voulais que vous puissiez bien comprendre. Le vase qu'il faisait ne réussissait pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase. Tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Then the word of the Lord came to me. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans la main, maison de l'Éternel. Vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Oh, house of Israel, can I not do with you as this potter does, declares the Lord. Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, oh house of Israel. Vous pouvez vous asseoir pendant que je vais lire dans le Nouveau Testament, Actes des Apôtres, au chapitre 2, le verset 34. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ.
Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous ?» When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, « Brothers, what shall we do ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Peter replied, « Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins and you receive the gift of the Holy Spirit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus notre Dieu. Ambuye Yesu mulungu watu. Par ta grâce, nous voici, Seigneur, venant de lire ces deux écritures, dire qui est dans notre cœur, Père. Nous croyons que c'est toi qui l'as placé comme étant le surveillant de ce groupe, Père. Tu es censé, oh Dieu bien-aimé, me conduire par ton esprit. Je voudrais, Père éternel, qu'en ces jours, oh Dieu, tu puisses prendre ces dons que tu as placés en moi. Que tu puisses administrer cette parole dans le cœur de ton peuple. Qu'un véritable changement soit opéré. C'est toi qui as commencé l'œuvre de la rédemption. C'est toi qui achèves encore cela. Je te laisse, Seigneur, la place maintenant. Oh Dieu. Commence avec nous et termine aussi avec nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Je crois, comme je vous ai dit, je voulais prendre un petit sujet ce soir dont j'ai intitulé le brisement. Le brisement. Dans Jérémie, Dieu avait une leçon qu'il voulait donner à Jérémie. Et quand Jérémie est allé là-bas, il a trouvé le potier en train de faire des vases. Et le potier, quand il faisait ce vase-là, il n'arrivait pas à faire un bon vase. Et il recommençait. Et il commence à faire quelque chose que bon lui semble avec l'argile qu'il avait dans ses mains. Et Dieu a dit à Jérémie, ne pourrais-je pas faire de vous comme ce potier-là? Quand je suis en train de te donner la forme et que vous n'arrivez pas, je peux encore recommencer. Prendre cette argile-là, recommencer de nouveau. Parce que c'est moi le potier. Vous êtes dans mes mains. On est là. Le brisement. Si vous remarquez, je voulais connecter cela avec Actes chapitre 2. Quand le peuple de Dieu était désorienté par les doctrines qu'ils avaient au temps de Jésus, la Bible dit qu'ils ont arrivé même à crucifier Jésus. Et Pierre et son groupe avaient fui, ils étaient allés se cacher dans la chambre haute, attendant la descente du Saint-Esprit, selon l'ordre que Jésus leur avait dit. Et quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre est sorti avec son groupe. Ils ont commencé à agir comme des gens ivres. Et Pierre a porté la parole condamnant ces gens-là. Il dit, vous ces gens ici, voilà ce que vous avez fait. La personne que vous avez crucifiée, Dieu a rendu cette personne-là Seigneur Christ. Vous êtes coupable. Il parlait directement avec ces gens-là. La Bible
Bible dit que leur cœur fut vivement touché. Ils ont été brisés dans leur cœur. Ils ont compris la culpabilité. Ils ont compris vraiment le poids de la chose qu'ils avaient fait. Ils se sont sentis mal à l'aise. Ils ont regretté. Donc, ce qui a fait que ces gens regrettent, c'est parce que leur cœur était brisé vis-à-vis de la parole qu'ils ont entendue de Pierre. Le brisement du cœur, c'est ce qui leur a amené à demander à Pierre: maintenant que nous sommes coupables, qu'allons-nous faire? Que peut-on faire? Pierre leur a dit: repentez-vous et soyez baptisés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, je voudrais que vous écoutiez les prophètes, ce qu'il dit sur le cas de brisement. Maintenant, m'a dit qu'on ne peut pas faire de progrès si on n'est pas brisé. Vous êtes là? On peut bien prêcher la parole. On peut vous amener dans la foi. Mais comment? Si vous n'êtes pas d'abord brisé, cette parole qui vient là n'aura pas de la place. Le témoin. Witness. Il a prêché cela le 5 avril. Il n'y a pas 5 April. 1954. 1954. Je lis le paragraphe 57. Je vais jusqu'en descendant là. 57 n'indépense. Je me rappelle, Nikumbuka, il y a longtemps, kopita, nikudala maningi, quand nous venions ici, on jouait là à la croix, au piano. Quand la cloche sonnait, et qu'on est sec dans l'église, tout le monde pleurait. Lentement. Pangono, pangono. Tout le monde pleurait. Lentement. Pangono, pangono. Je voudrais que vous me suivez. Je me demande à Dieu qu'il fasse que quelque chose entre dans son peuple. Sinon, ça sera un travail bâclé. Tout le monde pleurait lentement. La douceur. Sweetness. J'aime vraiment la vieille manière. Nimakonda vintu monga vakudala. Manazajakudala. La douceur. Sweetness. Stress. Tenderness. La puissance du Saint-Esprit. Mpavu ya musimwela. Un brisement. Kupwanika. J'aime ça. Ati nikonda icho maninga. Un brisement. Kupwanika. Avant de pouvoir donc faire du progrès, nous devons premièrement être brisés. Vous savez, comme le potier, le prophète était descendu dans la maison du potier pour être brisé. Enfin d'être refaçonné. Et vous savez, s'il n'y a pas de brisement, on ne sera pas refaçonné. Il vous faut premièrement être brisé, être touché. C'est là où le christianisme commence. C'est là où la... D'abord, même avant la repentance, il faut d'abord le briser.
Ils furent vivement touchés. Ils ont été brisés. C'est là où ils sont. Que ferions-nous pour faire le progrès? D'abord le brisement. Et c'est juste comme la terre. Si vous allez avoir une récolte des produits des champs, si vous voulez avoir une récolte des produits des champs, frère roi, il vous faut premièrement labourer la terre, la hercer. Et puis vous plantez votre semence. Là, c'est ce que je peux dire aussi aux ministres. Si vous voulez planter votre semence, vous avez la bouteille. Commencez d'abord par le brisement de la terre. Et puis, after, vous plantez votre semence. Et elle se reproduira. Ça dépend du genre de semence que vous plantez donc. Pendant que cela est brisé. Pendant que la terre est brisée. Ça dépend maintenant de la semence que vous plantez. Là, à ce moment-là, ça va se reproduire. Ainsi donc, pendant que les champs, les produits des champs, la terre est toute brisée, c'est le moment de planter la semence. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu est une semence? Et que vous êtes la terre? Et nous, nous sommes les ouvriers dans les champs. Nous travaillons dans les champs, dans cette plantation de Dieu. Et si nous voulons que la parole de Dieu puisse produire de bons résultats dans les croyants, commençons d'abord par briser ces croyants. Je sais de quoi je suis en train de parler. Alors, ce frère, il parle des Israélites qui avaient quitté la terre promise. Étaient là à Babylone. Déportés. Parce que leur péché les avait séparés de Dieu. Et je suis assez. Je suis bien assez à l'ancienne mode pour croire ce soir ceci. Quand l'église ou n'importe quel individu se met à jouer et à flirter avec le monde, vous allez connaître la même expérience. Vous éloignez de Dieu. Vous éloignez de la vérité. Et je crois cela. Je sais que c'est la vérité. Toute personne qui commence à filtrer avec le monde, il y a une avec Dieu. Il va se retrouver à Babylone. Il ne sera pas dans la terre promise. Il sera séparé avec Dieu. Et je suis maintenant dans le ministère depuis 20 ans. Et j'en ai vu de toutes sortes, de tous genres à travers le monde. Mais je vous assure, amis,
Vous pouvez être méprisé. Mais jamais une réunion à l'ancien mode avec brisement. Ça ne sera jamais méprisé. Quelqu'un est venu un jour et a dit, pendant que je prêchais ici, il a dit, est-ce que cette femme-là, Billy, comment pouvez-vous prêcher pendant que cette femme-là assise là derrière, en train de faire du bruit, de pleurer et de hurler? Amen. Je dis, peut-être que c'était toute la raison pour moi de prêcher. Exact. Oui, je dis. Il a dit, Anakam. Eh bien, cela me tuerait pratiquement. Si j'essayais de parler et que quelqu'un se comportait comme cela, je dis, Anakam. Cela ne m'a pas dérangé, frère. Cela m'encourageait. Il a dit, Anakam. Est-elle une pécheresse horrible ou quelque chose comme cela? J'ai dit non. C'est une chrétienne remplie du Saint-Esprit et en train de pleurer. En train de pleurer. J'ai dit, oui, la Bible dit, celui qui marche en pleurant revient sans doute avec allégresse quand il porte ses précieuses gerbes. Amen. Amen. C'est vrai. Celui qui marche en semant, sème avec larmes, reviendra sans doute en ramenant ses précieuses gerbes, en se réjouissant à son retour. Mettez les premières choses en avant. Est-ce que vous êtes là? Prenama dit, mettez les premières choses en avant. Va fester. Quelles sont les premières choses? Va fester. Mettez les premières choses en avant. Deux points. Ma point David. Ce qui veut dire maintenant, il veut vous montrer ce qui est le premier chose. Mettez les premières choses en avant. Le brisement. C'est ça le première chose. Le brisement. Le refaçonnement. Et alors, on revient en se réjouissant. Amen. Très bien. Mettez les premières choses en avant. Quelles sont les premières choses? Ce n'est pas la foi. Donc, dire non, ayez la foi en Dieu. D'abord, le brisement. On est là. Ce n'est pas la guérison divine. D'abord, le brisement. Être refaçonné. Il faut que la parole te brise. Il faut que tu sens la culpabilité. Amen. Amen. Auparavant, avant que les gens entrent dans l'église, les gens entrent dans l'église avec crainte et tremblement. Et dès qu'ils entrent là-bas, on commence à jouer une douce musique. Pas jouer les rock and roll là-bas. Pas faire du bruit. Mais une douce musique du genre Munga à la croix. Near the cross. Au pied du maître. Master.
quand on chante comme cela, le chrétien commence à entrer. Les gens venaient à l'hôtel. Ils pouvaient s'agenouiller là-bas, commencer à prier doucement là, en train de pleurer lentement. Mais aujourd'hui, mangez lelo. Question réponse. Question and answer. Le 16 mai 54. 16 mai 1954. Le premier paragraphe. Paragraph 1. Seigneur, Ambuye, c'est tout ce que je sais faire. Ainsi le Saint-Esprit Muzimuela nous garde tout brisé. Vous savez, Muziva, une fois, one time, le prophète est allé dans la maison du potier. Voyez, Mon. Pour être brisé. Être modelé. S'il y a quelque chose qui cloche, Dieu ne refuse pas juste quelque chose. Vous êtes là? Mulipano. Par exemple, la maison a des fissures, là, vous commencez seulement à contrôler là où il y a des fissures. Non. Dieu ne lui ne fait pas comme ça. S'il y a quelque chose qui ne va pas, pour Dieu, c'est recommencer. Détruire. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui a mené ce fissure. Vous pouvez arranger, après quelques jours, le fissure vient encore. Mais pour Dieu, détruisez, recommencez à zéro. C'est pourquoi je voudrais demander à cette église, mettez d'abord vos expériences anciennes à côté. Recommencez encore. Mettez vos connaissances à côté. Recommencez encore. C'était la prière de mon prophète. Et c'est la mienne aussi. Il y a quelque chose qui cloche. Dieu ne rafistole pas juste quelque chose. Il a dit que si vous mettez une pièce neuve, on est là. Un habit. Un abusé. Mais vous prenez seulement une petite partie neuve. Ça c'est Dieu qui a dit. Si vous prenez une pièce toute neuve et que vous placez sur un vieil habit, cela le déchirera plus qu'avant. Ça va déchirer l'habit là. L'habit est usé. Mais vous prenez seulement une pièce neuve, vous mettez là-bas. Ça va déchirer tout. Il a dit, juste la chose à faire, c'est tout renouveler. Ainsi, si vous avez fait quelque chose de mal, est-ce qu'on est là? Si vous avez fait quelque chose de mal, n'allez pas avec un petit dire. N'allez pas avec un petit dire. Eh bien, je suis désolé d'avoir fait cela. Je n'essayerai plus de faire cela. Non. Ah oui. Tu as mal parlé. Tu as mal fait quelque chose. Mais tu parles seulement. Bien aimé. Vraiment, je suis désolé. En tout cas, c'est ce que je dis là, je ne le dirai plus encore. En tout cas, ce que je fais là, je ne le ferai plus encore.
Et vous trouvez que c'est ça la religion. Non, le frère est venu arranger. Non, la sœur a arrangé. Mon épouse a arrangé. Mon mari a arrangé. Pardonnez-moi pour ce qui est arrivé dans la maison. Je ne le ferai plus encore. Branham dit que ça, ce sont des petits dits. Je suis désolé vraiment. I'm sorry, mani. Voilà pourquoi aujourd'hui nous ne récoltons pas de bons fruits. Eh bien, je suis désolé d'avoir fait cela. Je n'essayais plus de le faire cela. Soyez donc brisés. Et aidez-les. Vous voyez? Faites de cette pièce une pièce nouvelle. Et maintenant, durant cette semaine, maintenant probablement ce soir, il y aura encore un enseignement sur l'évangile. Je fais mon mieux de ma connaissance. Voyez. Et maintenant, en arrivant, souvent, vous tous, vous pensez que je n'arrive tout bonnement peut-être. Eh bien, ce matin, oui, peut-être, il y a peut-être un ou deux étrangers. Mais la plupart d'entre eux là, peut-être, c'est juste un petit groupe des habitués du tabernacle ici. Et parfois, sometimes, on taille en pièces avec l'évangile comme cela. Ce n'est pas pour faire que vous vous fâchez contre moi. Amen. Amen. Ce n'est pas pour faire que vous vous fâchez contre moi. Ou pour c'est ce qu'il y a, oui. C'est pour vous tailler en pièces. Certainement. C'est ce que cela fait. Donc quand on prêche l'évangile, parfois l'évangile qui touche vraiment. On ne parle pas des étrangers, mais vous les habituez ici. On parle un peu durement comme cela. Ce n'est pas pour que vous vous fâchiez contre le prédicateur. Vous devenez haineux contre le prédicateur. Vous n'avez plus de sentiments envers celui qui prêche. Mais c'est pour une raison. Nous voulons que nous puissions vous blesser de pièces afin de vous réformer. Alléluia. Oh Jésus. C'est cela. Cette parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée. Quelconque a des tranchants. Et le problème en est qu'avec ça, il y aura celui-ci qui va arriver à quelque chose. Celui-là qui arrive avec autre chose. Ça et tout des braves gens, mais ils auront différentes idées et chacun voudra présenter son idée à l'église. Voyez, vous ne pouvez pas faire cela. L'église a sur l'évangile une doctrine solide qui doit être fondée sur la parole de Dieu. On n'est pas là, c'est le sujet avec cette idée. C'est le sujet avec cette idée. Non. L'église a un évangile. Et l'évangile s'est fondé sur la parole. Vous êtes là. Je voudrais que ces choses vous pénètrent. Que ça puisse vous pénétrer. Auparavant, on prêchait l'évangile. Les gens tremblent. Et surtout si on parle de la repentance et de l'enfer.
vraiment, les gens tombaient, s'évanouaient. La crainte de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, prêchez sur la repentance. Vous trouvez les gens sortir dehors en riant. Les gens font des commentaires sur l'évangile de la repentance. C'était difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, on a voyé sur ma vie en train de rire. Aujourd'hui, c'était frère tel. Hein? Ah, il a reçu aujourd'hui. Ah, c'était fort. Suivez votre prophète. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a rien que nous faisons. Les gens sont habitués avec l'évangile même. Et parfois, il peut même vous critiquer, vous qui prêchez la parole. Le 6 avril 58. L'évidence de la résurrection. Evidencia resurrection. En anglais, c'est 63. In English, 63. En français, c'est 28. French, 28. Et 29 aussi. Na 29. Pensez donc. Ganizani koni. Quand Charles finit. Pas mené Charles fini. J'étais un prédicateur de l'évangile. Un jeune avocat converti. Un tout petit, un homme sec. Qui essayait l'acoustique dans une salle. Et il a dit, repentez-vous. Sinon vous périrez. Dites cela. En train de jouer sa guitare là. Répentez-vous. Sinon vous périrez. Un homme assis sur le dôme s'est évanoui et est tombé. Il s'est tenu au balcon d'un bâtiment en Nouvelle-Angleterre. Charles. Il s'est tenu au bâtiment dans le balcon en Nouvelle-Angleterre England. Et a prêché l'enfer aux perdus. Et quand il s'est crié, vous périrez si vous ne vous répentez pas. Les hommes se sont évanouis. Et les femmes sont tombées dans les rues. Mais aujourd'hui, vous pouvez prêcher la repentance. Le feu de l'enfer et le souffre. Les gens se moqueront. C'est ça le type de croyant que nous avons. La parole te touche. Les gens ne sont pas brisés. Les gens se moquent même. Ils font toutes sortes de commentaires. Un message qui pouvait amener quelqu'un, peut-être en brousse en train de pleurer. Un message qui pouvait amener les gens à rester à l'hôtel voyant leur vie comparant avec la parole, mais les gens se moquent. Frère Bonhomme a dit, quel est le problème? Problème ni chani. Quel est le problème aujourd'hui? Problème ni chani leno. Notre cœur est devenu froid. Zankala zo zizira. Nous sommes devenus indifférents. Zankala osafa kila konzelu. Nous avons trop de choses. Trop de choses. Voilà aujourd'hui, on prêche la parole pour stimuler les gens. Avant que les gens crient Alléluia. Et nous sortons la vie des gens toujours. Le cœur froid. Les gens indifférents. Alléluia. Oh
Oh Jésus. Nous avons trop de choses. Qu'un frère se mette à pleurer devant la parole. Les gens vont lui demander qu'est-ce qu'il y a. Ce sont devenus des choses nouvelles aujourd'hui. Qu'est-ce que le pasteur pleurait? C'est devenu des choses nouvelles aujourd'hui. Pourquoi? Le cœur froid. Les gens indifférents. Et on s'est dit chrétien. Il n'y a plus de journée de deuil dans l'église. Nous avons moins besoin du monde. C'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin moins du monde et plus besoin de Dieu. Nos cœurs sont très froids. Nous nous intéressons à une émotion. Alléluia, alléluia, alléluia. Il se crise. Alléluia, alléluia. Mais suivez celui qui fait alléluia là-bas. Les émotions. My emotion, chap. C'est ce que nous nous intéressons. Des jeunes filles qui cassent des chaises. Des émotions. My emotion, chap. Mais à la maison. Comme autre chose. Et s'il y a des émotions comme ça, là on est réjoui dans l'église. Aujourd'hui Dieu nous a visités. Quelle visitation qui ne touche pas le cœur. Quelle visitation qui ne fait pas que les gens changent. Les émotions. My emotion, chap. Et c'est ce qui nous intéresse. À la maison là, nous commençons des commentaires. Ah, aujourd'hui tu es en train d'onction. Ah, vous riez-vous. C'est fini. Nous nous intéressons. Si nous pouvons danser. Si nous pouvons crier. Je crois en cela. Si nous pouvons parler en langue, je crois en cela. Je crois dans tout cela. Mais si nous avons cela et que nous n'avons pas cet esprit agonisant, cet esprit triste là, mais on a que des danses, on a des cris, on a des alléluia. Il n'y a plus un esprit agonisant. Un esprit triste. Nous un esprit qui pleure. Un esprit qui est brisé. Dieu ne peut pas utiliser cela. Je ne peux pas utiliser vos émotions. Je ne peux pas utiliser vos cris là. S'il n'y a pas un esprit triste. Les gens qui peuvent méditer sur la parole. Même si la personne a peut-être tu penses qu'il est rancunier envers toi. Mais ce qu'il parle là, est-ce qu'il la lit ou n'a pas lu? S'il a lu que c'est la parole, s'il a lu que c'est le message, mais pourquoi ne pas prendre cela, mettre de côté le commentaire? On en a plus cela. Que Dieu nous aide. Dieu ne peut pas utiliser cela. Ces choses sont bonnes. Mais il nous faut avoir l'autre qui va avec. Nous avons abandonné l'essentiel. Et nous poursuivons les accessoires. L'essentiel c'est quoi? Le brisement. Nous avons mis de côté. On n'est plus brisé. On n'est plus touché. On peut parler. Nous remettons sur un frère. Nous remettons sur une sœur. Nous remettons sur tel. Mais pendant que Dieu parle avec toi, ce qui nous intéresse, c'est crier, c'est sauter, entrer en onction. Et c'est fini.
Branham dit ça, ce sont les accessoires. Branham Akamba, even my accessories. Ce sont les accessoires. Ni accessories. Oh Jésus. Vous ne pouvez jamais vous spécialiser en accessoires. Vous ne pouvez jamais vous spécialiser dans les accessoires. Nous le savons. Mais dans nos propres réunions, en sont arrivés à mettre trop l'accent sur la guérison divine. Ah, sister, emphasize maling pour les je vous dis, vous serez guéri. Vous allez voir la main de Dieu. Vous c'est tout ce qui est resté. Devina sala kokasida. Dieu guéri. Moi, je connais ce Dieu. Dieu ici. Il a guéri le cancer. C'est tout ce qui est resté. Devina sala ko. Trop l'accent sur la guérison divine plutôt que sur la guérison de l'âme. Les hommes des gens sont malades avec des maladies incurables, mais on ne s'intéresse pas à ça. Les gens brisent la parole d'une manière ou d'une autre. Les gens parlent d'une manière ou d'une autre. Mais nous voulons seulement les guérir. Comment tu voulais dire que tu les sédois? Frère, brother, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil, d'un brisement des âmes enflammées pour Dieu. Ce que je veux dire, enflammé et à genoux à l'autel avec des larmes coulantes sur leur jour. Écoutez bien, non pas pendant 5 minutes pour se lever et oublier cela, mais chercher comment à ramener tes âmes perdues à Christ, avoir un fardeau sur le cœur. Oh Dieu, ôte tous les plaisirs du monde et toutes les frénésies, toutes les volatéries, et place sur mon cœur le fardeau pour le perdu. C'est ma prière. C'est ça ma prière. Mettons d'autres choses de côté. D'abord l'âme. Pas les émotions. Ah! Les gens qui crient. Les gens qui tombent. Mais regardez ce qu'ils font. Mais écoutez ce qu'ils disent. Sans respect. Quelqu'un peut te répondre. Il ne sait même pas que ça, c'est une grande personne. Ça, c'est mon pasteur. Il peut parler n'importe quoi. Oh Jésus. Il y a quelque chose que nous avons manqué. Il n'y a plus question de travailler sur l'âme. Mais nous travaillons sur les accessoires. Bien-aimé, tu seras béni. Dieu va te bénir. Vos affaires. Nous aurons des véhicules ici. Nous aurons ceci. Nous allons construire. Ça fera quoi si nous construisons, si nous avons des véhicules, mais pendant que l'âme va dans l'enfer? À quoi nous servirait d'avoir une église pendant qu'il n'y a pas de gens qui se convertissent? Ah! Oh Jésus! Réfléchissons nos voix. Réfléchissons nos voix. Le 6 juillet 59. 6 juillet 1959. Paragraph 20 and 21. Paragraph 20 and 21.
Si quelqu'un c'est ce que retrouver, c'est ce que se retrouver dans les montagnes lorsque le brouillard vient. Vous êtes dans des montagnes là dans la forêt. Maintenant ça devient brouillard, ça devient noir là. Tu ne sauras pas comment trouver le chemin. Si quelqu'un connaît cela, vous devriez simplement vous abriter. Quand le brouillard là vient dans les montagnes, vous ne savez plus où vous allez. J'ai compris qu'il me fallait retourner. Il parle de lui-même, c'est une expérience. C'est ce qui lui est arrivé dans les montagnes. Il fallait retourner. Elle n'avait jamais été dans le bois. Il était parti avec son épouse. Et j'ai commencé à me dépêcher. Et j'ai pris du temps à remonter un petit ruisseau. Et je me suis dit que je connaissais donc où le ruisseau fait une courbille. C'est par là que je traverse pour passer de l'autre côté. Et je savais comment sortir. Eh bien, je me suis dit, j'ai l'impression que je devrais déjà me retrouver à cette courbille. Et je me suis arrêté. Et je commençais à transpirer. Je me retrouvais juste à côté de mon cerf une fois de plus. Donc là où il avait placé son cerf là-bas. Donc il est parti. Je vais suivre ces ruisseaux. Je sais que là où il y a les courbilles là, c'est là où je vais traverser pour aller de l'autre côté. Il marche. Il se retrouve là où il avait commencé sa marche. J'avais carrément fait une tour. Et j'étais revenu là. J'ai fait cela à trois reprises. Il part, il revient. Tout le même endroit. Il part. Pendant qu'il y a un danger. Eh bien, les Indiens appellent cela la marche de la mort. Ni oulendwa infwa. Tu pars, très bien, c'est oui, les choses que tu as refusées, tu pars, les choses que tu as décidées, tu pars. La marche de la mort. La personne tourne en rond sans se retrouver. Eh bien, j'ai compris que je m'étais perdu. Mais écoutez bien, il comprend que je suis perdu. Mais comment? Je ne voulais pas l'admettre. Il commence à dire maintenant je suis perdu. Mais non, je peux le trouver. Toujours. Il part, il revient. Il a compris que je suis perdu. Mais il n'accepte pas. Comment ça vomir? Vous êtes là? Vous dites pas non? C'est ainsi que sont les autres, les êtres humains. Ils ne veulent pas admettre qu'ils sont dans l'erreur. C'est ça les êtres humains. Il y a sans doute des hommes et des femmes dans cette salle ce soir. On nous suit par la radio. Qui ne sont pas en ordre avec Dieu. Mais vous ne voulez pas l'admettre.
Vous n'êtes pas en ordre. Mais tu ne veux pas de mettre. Tu fais semblant. Comme si tout marche bien. Et pendant que il y a un temps, je te dis, non, je suis chrétien. Non, je suis chrétien. Il y en a ici. Qui ne veulent pas de mettre. Ils ne sont pas en ordre avec vous. Même si la parole est prêche, comment il se sent être chrétien. Il peut parler mal. Il peut critiquer. Il peut dire n'importe quoi. Il viendra ici, l'onction descendra. Il y en a qui ne veulent pas admettre qu'ils sont dans les lignes. Ils ne sont pas en ordre avec Dieu. Mais ils ne veulent jamais l'admettre. Vous courez la chose. Pardon. Vous couvrez la chose. En allant à l'église. Tu n'es pas en ordre avec Dieu. Mais tu n'admets pas. Tu couvres cela. En venant à l'église. Quand comme tu viens à l'église, le mercredi, Wednesday, le vendredi, Friday, dimanche, Sunday, tu deviens en ordre avec Dieu. Vous couvrez cela en allant à l'église ou en récitant une espèce de prière ou un credo. Ce n'est pas cela, se mettre en ordre avec Dieu. Naître de nouveau. Devenir un fils ou une fille de Dieu. Voilà ce que Dieu exige. Mettez-vous en ordre avec lui. Alors je suis allé plus loin. J'ai dit, oh, je suis un homme de bois. Trop expérimenté pour me perdre. J'ai dit, eh bien, Billy Branham, ressaisis-toi. Tu es fou. Tu es fou. Tu sais comment sortir d'ici. Va de l'avant. Il y avait tellement de brouillard. Et je ne voyais rien. Et je commençais à marcher. Après quelques temps, j'entendais sans cesse cette parole. Je suis un secours qui ne manque jamais à entendre des pèses. J'ai avancé un peu. C'était devenu tellement audible. Et que je pouvais l'entendre dire, le Seigneur est un secours toujours présent en temps de détresse. Eh bien, je me suis dit, je me suis agenouillé. Il n'a plus marché. Il n'a plus fait le tour. Il s'est agenouillé. Je me suis agenouillé. Et j'ai dit, Seigneur, j'admets que je suis perdu. J'accepte que je n'ai pas le Saint-Esprit. J'accepte que je ne suis pas un chrétien. Je ne dois pas faire la religion. Je ne dois pas seulement venir à l'église. Non, je crois les messages. Non, Seigneur, par ta parole, je comprends que je suis perdu. Je ne vis pas la parole. Il s'est agenouillé. Anangwada. Je suis... Seigneur, j'admets que je suis perdu. Je ne suis pas digne de vivre. Même ma femme est Billy. Un petit nourrisson. Et sont dignes de vivre. Ne les laisse pas mourir. J'ai prié. Et je me suis relevé. Et j'ai dit, eh bien, maintenant, je vais devoir faire un choix. Au mieux de ma connaissance. Et je commence à me diriger droit devant moi. Et je me suis dit, et je vais droit très exactement. Le vent frappé sur le visage. Et il a commencé. Si vous lisez l'histoire, à un moment donné, il a entendu une main.
qu'il a touché, la main commence à le conduire. Et il a traversé. Les gens n'admettent pas qu'il est dans l'erreur. Les gens ne veulent pas écouter. Que ce que tu fais est mauvais. Il veut qu'on puisse lui dire, non, non, tu es un frère bien. Tu es une bonne soeur. Tu vas aller au ciel. Mais pendant que Pamen, il est en train de briser la parole. Mao, frère, il y a un ciel réel. Brother, et il y a des exigences pour aller au ciel. Ce n'est pas parce qu'on est assis comme ça. C'est ainsi que nous allons au ciel. Aujourd'hui, nous avons minimisé la parole de Dieu. On peut parler n'importe comment. On peut dire n'importe quoi. On peut critiquer. On est à l'aise. À l'aise. Pas de repentance. Mais on vient seulement à l'église. Il y a même des gens qui sont déjà passés au niveau de la repentance. Lui ne peut plus se repentir. Il doit seulement montrer aux autres. Certes, il faut que vous vous repentiez. Certes, c'est le fait que vous ne faites pas. Mais toi, ce que tu fais, le sentiment que tu as, l'idée que tu as là, tu te trouves au-dessus de la parole. Tu te sens capable en toi-même. Moi vraiment. Une zone. Moi vraiment. Une zone. Mais pendant que la parole te condamne. Que Dieu nous vienne en aide. Que tu vas aller voir. Le 1er octobre 51 et 59. 1 octobre 1959. En anglais c'est 45-46. En English, français c'est 20. 45-46. Mon French in 20. Mais le monde n'a pas pu voir cela de cette façon. Comment qu'y avait-il dans Jean qui attirait l'attention des gens? Certains sont allés voir un homme sauvage. À moitié nu. Another half naked. Pardon, c'est comme si si son message était tellement dire alors que cela secouait le contrée. Voyez ce qu'il a prêché. La première chose qu'il a prêché à tous était la repentance. Ça c'est Jean-Baptiste. Et la repentance avec le, toujours les yeux de l'incrédule ou du membre de l'église. Le membre de l'église pense qu'il n'a rien pour lequel se repentir. Il y a des gens comme cela et ont le monopole de critiquer. Lui peut critiquer. Lui est vraiment fils de Dieu 100%. Il peut parler mal des serviteurs de Dieu. Lui est correct. C'est correct. Avec sa femme, ils peuvent critiquer des frères, ils peuvent critiquer des sœurs. Pour eux, c'est correct. Ils peuvent parler mal. C'est correct. Ils n'ont rien à se repentir. Mais quand ils voient les autres, non, tu dois te repentir. Non, toi, tu dois te repentir. Comme si le ciel vous appartient. Le ciel n'est pas votre maison. Il y a un propriétaire. Quel que soit ton niveau, quelle que soit ta capacité, il y a des exigences. Chacun doit accomplir les exigences pour y arriver.
Si vous ne sentez pas que vous êtes perdu, il y a quelque chose qui ne va pas. There is something wrong. Quand on prêche la parole, tu es à 100%. Voilà les kilomètres où ça ne te touche pas. Quand on prêche, pasteur, tu as bien parlé. Dites-le. J'ai dit qui? Nous entendons. C'est toi que je. Il a mené prêchant pan. Parle-le. As-tu vu Hussein? Il ne comprend pas. Si on fait là, qui ne comprend pas? Donne-moi mes services. On doit être brisé tous. Tu feras tout ce que pointe comme team. On doit se sentir coupable. Tu feras continuer là où là quoi. Le membre de l'église pense qu'il n'a rien pour lequel se repentir. Tu me mets au nati, on peut voler. Et quand cette personne ou ce personne arrive au point où il pense qu'il n'a rien au sujet duquel se repentir, on est dans une condition plus grave. Plus grave. Bien que étant membre d'église, vous êtes dans une condition plus grave que le pécheur qui est dans le rue. En effet, les écritures disent dans les livres de l'Apocalypse, en parlant de l'église, ils disent, elle était nue, malheureux, misérable et aveugle. Et elle ne le savait pas. Eh bien, Chapuino. Si un homme s'est trouvé dans la rue aveugle, ça serait horrible. S'il était pauvre, ça serait horrible. Ni, ça serait horrible. Mais quand il ne le sait pas, c'est misérable. Il y a des gens aujourd'hui qui prétendent être des chrétiens, qui sont membres d'église et qui ne savent pas qu'ils ont besoin de la repentance. Et le dire à quelqu'un, c'est là le secours. Il y a des gens comme ça. Non, quand vous lui parlez, mon bien-aimé frère, est-ce que c'est comme ça qu'on doit parler? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit se comporter? Non, 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 lui c'est comme si vous l'avez secoué, vous l'avez importuné. Mais il faut que lui vienne te dire, là on ne fait pas comme ça, là où tu as mal agi, là ce n'est pas ça. Non. Ah oui. Vous n'avez pas le monopole. Vous devez comprendre que nous avons besoin de la réponse. On doit revoir nos vies. Si Dieu pouvait appeler un prophète, Jérémie, il a dit que avant que tu sois conçu, je t'avais choisi. Mais il prend ce prophète, il l'amène dans la maison d'un potier pour lui montrer que il faut que tu puisses être refaçonné. À combien plus forte raison nous? Qui parle n'importe quoi, qui pense n'importe quoi, qui fait n'importe quoi. On a besoin de la repentance. On a besoin de revenir. Il y a un relâchement. Permettez-moi de lire cela afin que nous puissions prier. Message de l'église de la Odyssée. Le 9 juin 58. 9 June 1958. Le paragraphe 11. Paragraph 11. Et je me dis plutôt ceci que ni ma zouzati bien deux fois Kambili par son relâchement, l'église en est arrivée à faire des choses, à penser des choses. C'est de toi dont on parle. Comment se faire des choses? Vous pensez des choses et à considérer les choses juste telles qu'elles sont, alors que nous devrions peser ce que nous faisons
et disons. Vamene tichita na kukamba. On devrait peser avant que je parle. Comment mon frère va le recevoir? Aujourd'hui, on ne pèse plus. Il peut parler. C'est leur problème. Moi, je m'en vais. Il est nien. N'était pas comme ça. Fais bon, me dit. Quelquefois, quand je pars même chez les mécaniciens, je me fais comme un mécanicien. Je suis pas un mécanique. Je m'habitue avec eux pour que je vienne maintenant poser la parole. J'arrive quelque part, je me fais comme ces gens-là pour que ces gens-là comprennent bien ce que je veux dire. Mais si on parle avec le pays, vous le mécanicien, vous allez voir. Vous allez aider quoi? Vous attendez ça, Tiani. Vous allez en enfer, hein? Vous êtes mon héros, oui. Vous êtes un païen. Du moins pas gagné. Non, ça y est de quoi? Vite en disant que tu façon. Je crois que vous comprenez. Nicolo Pili, la mouve, c'est ça. Vous les gens qui fumez ici. Ils vont venir mouver les mains. Ils c'est ça leur vie. De la vie, yao. Ils ont besoin de l'aide. Maintenant, quand vous prenez le pain, vous allez voir. Moi, je ne plaque pas. Vous allez aller en enfer. Vous êtes mon héros. Ça va les aider. Vous avez attendu ça que tu faut d'abord peser les mots. On ne pèse plus les mots que nous parlons. Tu peux parler que je suis le chef de la maison. Que ça blesse, ça ne blesse pas. Moi, c'est comme ça que je suis. Non. Ah ouais. Tu n'es pas plus que la parole. On doit peser nos mots. On doit peser nos actions. Frère Baname dit, parfois, sometimes, je peux regarder. Si je fais ça, mon frère ici n'est pas encore mûr. Il ne me comprendrait pas. Je ne dois pas le faire. Si ça chita. Non, non. Moi, vous savez. Moi, si vous ne voulez pas, c'est un problème. Vous allez tuer quelqu'un. Vous n'avez pas un monde. On doit peser, on est des chrétiens. On doit voir le niveau de la personne que j'ai fait avec. Comment je dois parler avec lui? Comment je dois peser mes mots? Mes actions? Oh, Jésus. Oh, Jésus. Mais aujourd'hui, on considère les choses juste telles qu'elles sont. Mais le temps vieux, on a vu tout le monde venir ici. Alors que nous devrions peser ce que nous faisons et nous disons. Nous devrions bien réfléchir sur une chose avant de la déclarer. Doit d'abord raisonner avant de déclarer quelque chose. Je dois d'abord raisonner. Il faut qu'organise ça confesse. Est-ce que nous raisonnons aujourd'hui? Nanga ti makanisa. Ma vieille maman, Maiwanga, qui était originaire du sud, wamena na choka ku south, me disait souvent, kambire nzoriusa, réfléchissez deux fois. Uzikanisa kabiri et parlez une fois. Nakukamba kamozi. Parfois, sometimes, ce sont les petites choses que nous ne faisons pas qui ont une si grande importance pour nous. Des petites choses que vous négligez. Les paroles étaient placées là. Ce qui n'est pas bien classé. Des petites choses là. Tu tout non, comme toi tu ne filmes plus. Si bien, comme toi tu ne commets pas d'adultère. Si comme toi tu ne voles si pas. Mais à ce niveau là tu es chrétien. Nous commençons à négliger les petites si choses. Même la morale, la manière de vivre avec les gens. Nous commençons à oublier cela. Celui-ci condamne celui-là. Celui-ci parle mal de celui-là. Celui-ci condamne celui-là. Nous allons où? Nous allons où? Aujourd'hui, les gens n'admettent pas leurs erreurs. Si vous mettez la faute, ma mistakes. Jamais. Never.
Frère, voyez le message dit. Brother, on a message dit comme ça. Voilà ça et ça et ça. On a Ivona Ive. Il va faire semblant. Azasta ignore. Mais à l'intérieur de son cœur là. Comme mutima mwake. Il m'a importuné. Uyo ntere la uyima. Je lui montrerai. Zaka mulangiza. Il va aller chercher aussi les écritures, les écritures. Pour appuyer seulement sa pensée là. Sa pote maganizo yake. Vous allez avec ça où? Muyenda kutina Ivo. L'humilité où? Kuziche fekuri kuti. Les gens qui peuvent s'incliner devant la parole. Les gens qui peuvent pleurer. Sentir la culpabilité. On prêche. On oriente la parole à tel. Voyez comment le pasteur a parlé là. Je comprends. Est-ce que tu es brisé? Voyez comment le frère a tel a prêché là. Je comprends. Parfois on lui a dit ça. Parfois il y a eu ça et ça. Est-ce que tu es brisé? On ne vient pas ici pour attaquer quelqu'un. Mais vous pouvez fâcher quelqu'un. Mutu anga kalipe. Kukalifia mutu yae. Unga kalif, si kukalifia mutu yae. Nous venons ici pour que nous allons au ciel. Que la parole me touche. Que la parole touche quelqu'un. Revenons à la parole. Aujourd'hui, le message a perdu sa valeur. On a laissé des petites choses entrer. C'est fini. Allez voir une sœur mal habillée. Montre-lui seulement. Ma sœur, ce n'est pas comme ça. Attendez-vous à la réponse. Même son mari va appuyer la réponse là. D'autres sœurs, c'est parce que vous leur montrez les dents. Moi qui ai acheté ça, jusque je ne vois pas que c'est. Ils connaissent beaucoup. Moi j'ai les messages. Je connais les messages. Frère Branham. Branham. J'ai même des photos. Sœur m'aide à porter une robe. Les gens, c'est parce qu'ils ne lisent pas. One, two. I think c'est moi qui ai. Est-ce que c'est avec cet esprit-là on peut avoir un réveil? Oh, tous les gens connaissent. Que Dieu nous aide. Laisse-moi terminer la pensée de Frère Branham. Parfois, ce sont des petites choses que nous ne faisons pas qui ont une si grande importance pour nous. Dans cet âge névrosé. Où nous vivons. Nous sommes tellement pressés de nous lancer sur des choses. Il nous incombe ce soir. En tant qu'église de Dieu, de nous arrêter. Arrêtons-nous. Ne faisons pas l'hypocrisie. C'est hypocrisie. On est là. Surtout de ce côté de mes sœurs. Je vous dis, mes amis, si on peut vous mettre à côté de moi, trancher certains des problèmes, vous allez trouver que on ne fait rien ici. On a des gens plus que des païens. Plus que des païens. Sans même leur respect. Tu peux être là, les gens qu'on prêche ici, nous prêchons, nous nous poumonons, mais devant un problème. Entre deux sœurs. Mais il faut voir comment ils vont parler. Ils oublient même que le pasteur est là. Parler des choses. Ils parlent avec intérêt. Pour que ce que je dis là, ça lui fait mal. L'autre aussi va répondre. Pour que ça lui fait mal. C'est changeant des paroles. Dans ma présence. Et parfois ce sont des gens qui tombent. Quand l'onction descend, des réponses, ma answers, des entre vous-même, qui ne sert pas seulement une question. Si ça kakufunza kocha, c'est comme s'il vous a énervé. Bonga kukari pisani. Réponse directe. Ah, c'est un peu plus. Non, pardon, je ne voulais pas te énerver. Ah, pardon. Ah, sorry, ah, it's okay. Attends, it's okay. Ça c'est quoi ça? Ni tcha, nous allons où avec ces choses? Kienda kuti na vaso.
Nous devons nous arrêter d'abord. On doit s'arrêter. Ce n'est pas de cette manière que nous devons aller. On doit être brisé. Quand ils ont entendu la parole, leur cœur fut brisé. Ils n'ont pas dit que non, c'est elle qui avait parlé comme ça pour conduire Jésus. C'est celle qui avait dit ceci. C'est celle-là. Ils eurent leur cœur vivement touché. Que ferions-nous? Pierre, que ferions-nous? Des petites choses que vous avez oubliées. Ma sœur, des réponses que vous donnez à la maison. Même si la parole a dit, ton mari, c'est votre ami et compagnon de vie. Mais cette même parole-là, elle dit qu'il a de l'autorité sur toi. Aujourd'hui, vous êtes devenus des amis. Un petit problème, faut toujours vous changer de parole. Chaque problème, vous devez vous changer de parole. Non. Ah oui. Avec ça, vous allez où? Il n'y a plus du respect. Quand vous manquez le respect envers ton mari, peux-tu avoir un respect envers un frère, même envers ton pasteur? Les gens n'admettent plus leurs erreurs. Ils n'admettent pas. Il peut admettre. À un moment donné, le change. Oui, pasteur, ma soeur, est-ce que selon la parole, ce que tu as fait, est-ce que c'est conforme à la parole? Non, pas, je ne refuse pas. J'accepte que j'ai mal fait. Mais pourquoi? Il cherche à se justifier. Est-ce qu'une personne comme ça peut être brisée, peut se repentir? Oui, pasteur, j'accepte. Ça, je ne refuse pas. Oui, la parole je refuse. Mais. Pourquoi mais? Les gens peuvent tromper aujourd'hui. Les gens peuvent te dire un mensonge. Il est à l'aise. Avec le jour, Dieu a oublié. Laissez-moi vous dire, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez prononcé, Dieu n'a pas oublié. Toi, tu peux oublier. Les jours peuvent passer. Mais Dieu se souviendra de ça. Souvenez-vous, je vous ai lu une écriture où une sœur, elle avait fait quelque chose pendant qu'elle était dans l'église catholique. Mais Dieu était en train de punir cette femme-là à cause de la chose qu'elle avait faite avant d'être chrétien. Dieu n'oublie pas toutes vos histoires. Tu as parlé de mensonges, tu n'as jamais réparé. Non, Dieu n'a pas oublié cela. Tu as fomenté quelque chose qui n'est pas vrai. Mais tu ne t'es jamais répondu. Tu n'as jamais corrigé cela. Dieu n'a pas oublié. C'est cette chose-là qui t'empêchera un jour. Tu peux tomber, tu peux crier, tu peux avoir des visions. Mais cette chose-là t'empêchera. Tu as critiqué. Tu as parlé mal d'un frère. Tu n'as jamais réparé cela. Je n'ai pas oublié. Il n'y a pas une autre voix que la voix de la réparation. Que la voix de la correction. Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, la parole n'a plus de l'impact dans le cœur. Les gens ne sont pas brisés. Voyez quelqu'un sur tout le côté de nos sœurs. Tu as mal porté. Tu portes des choses qui servent, qui te serrent le corps. Mais quand on te montre, tu dois t'énerver. C'est quel esprit? On ne peut pas te montrer. Celui qui te montre là, il se vante. Où est-ce que nous allons? Tu as un autre ciel à aller? Où c'est le ciel de Jésus? Nous allons nous tenir debout. Oui, mes amis. Yes, Wanzanga. Aujourd'hui, la crainte de la parole n'est plus dans le cœur des gens. Il n'y a pas de petits péchés, de grands péchés.
Le message a perdu sa valeur à cause des petites choses que nous avons laissées. Les barrières que nous avons laissées. Aujourd'hui, on a des mauvais sentiments. Les uns vers les autres. Aujourd'hui, on parle à mal. Les uns vers les autres. Il n'y a plus de cœur brisé, de guerre agonissante. Voilà la chose qui a amené Dieu dans le monde. Voilà pourquoi ma soeur, qui te trouve dans les mains de Nabucodonosor. Voilà pourquoi tu es à Babylone. On commence à t'utiliser de n'importe quelle manière. On commence à déranger ta vie de n'importe quelle manière. Pendant que tu devrais être dans la terre promise, pendant que tu devrais être dans la parole, aujourd'hui c'est les ennemis qui dérangent ta vie. Aujourd'hui c'est le diable qui dirige. Pourquoi tu es sorti de la ligne? Je voudrais que Dieu touche ton corps. Je voudrais que Dieu touche ton cœur, ma soeur. Est-ce que tu as besoin d'aller au ciel? Ne pensez pas que tous les jours seront les mêmes. Tu peux quitter la terre d'un moment à l'autre. Tu peux quitter ce monde de maman. Et surtout dans nos jours, ce n'est plus les maladies. Tu peux entendre quelqu'un, vous êtes avec lui. Mais il est parti. Il y a un ciel où nous devons aller. Ne regardez pas la manière que tu as commencé. Mais regardez ce que tu es devenu aujourd'hui. Dieu n'a pas de petits enfants. Dieu n'est pas injuste. Il est le Dieu de sa parole. Israël est sorti de Mion. Dieu a puni les Égyptiens. Dieu a tué les Égyptiens. À cause de ces Israélites-là. Mais tous ces gens-là, ils sont morts au désert. Ils ont bien commencé. Ils ont chanté. Myriam a pris les tambours. Elle a dansé en esprit. Ils ont traversé. Mais le prophète a dit, ils sont tous perdus. Perdu. Il n'y a que deux parmi les gens qui sont sortis. Josué et Caleb. Le problème ce n'est pas commencé. Le problème c'est terminé. Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? La vie de la parole. Elle est partie où? La crainte de Dieu est partie où? Pensez à cela, ma soeur. Ce n'est pas le fait d'être dans les messages. Ce n'est pas le fait d'avoir le cheveu long. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Est-ce que si Dieu pouvait dire dans quelques minutes, je me fais à ce monde. Je mets fin. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es en ordre pour aller rencontrer le Seigneur? Les choses cachées qui sont encore dans ton cœur. Est-ce que tu es en ordre? À quoi te servirait de garder cela et de perdre ta vie? À quoi te servirait que les gens t'apprécient? Que
les gens acclament. Que les gens disent que tu es bien. Pendant que tu es au ciel, il secoue la terre. Il regrette de ta vie. C'est le moment de penser à Dieu. Vaut mieux que les gens parlent à mal. Vaut mieux que les gens me méprisent. Quand je corrige la parole, quand je fais ce qui est la parole, quand je mets ma vie en ordre, qu'on se moque de moi, mais que Dieu me ressource. Que ma vie soit en ordre. Qu'il n'y ait pas quelque chose qui peut m'empêcher de traverser le Jourdain. Qu'il n'y ait pas quelque chose qui peut m'empêcher d'entrer à la porte du ciel. Je voudrais que chacun de nous, pendant que ce cantique est en train de murmurer, si vous sentez dans votre cœur que tu es coupable vis-à-vis de la parole, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte, ma soeur. N'ayez pas honte, mon frère. Dieu t'attend. Venez dans sa présence. Venez dans sa présence. Pour mettre ta vie en ordre avec le Créateur. Tu ne sais pas combien de jours te restent. Tu ne sais pas combien de heures te restent. Aujourd'hui, Lelo, si vous entendez sa voix, n'en dirsez pas. Vous allez vivre. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse encore. Oui, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de traiter avec ton âme. L'heure est grave. L'heure est grave. Voilà, aujourd'hui, tu n'as pas la victoire. C'est parce que tu es à Babylone. Tu n'as plus la victoire. Un petit démon peut te crouler. Un petit démon peut te crouler. Tu n'as plus la victoire. C'est parce que tu as brisé la parole. Tu te retrouves à Babylone. Dans les mains de Nebuchadnezzar. Toi qui avais la promesse. Toi qui devais être dans la parole. Dans la terre promise. Te réjouissant de la présence de Dieu. Toi qui devais être en contact avec Dieu. Toi que Dieu devrait utiliser. Il y a beaucoup de choses tout autour de toi qui t'empêchent aujourd'hui d'entrer en connexion avec Dieu. Que Dieu touche ton cœur. Que Dieu touche ton cœur, ma soeur. Que Dieu touche ton cœur, mon frère. Humilie-toi devant sa présence. Humilie-toi devant sa présence.
Montre-lui combien tu n'es pas Dieu. Montre-lui. Montre-lui combien tu n'es pas noir de la vérité. Montre-lui combien tu es perdu. Reconnaissez les erreurs. Reconnaissez la culpabilité. Dieu est là pour te recevoir. Parle avec le Seigneur. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. Yes, mbalewanga, na sister. Je voudrais que nous puissions prier. Que Dieu donne à notre église un esprit de brisement. Muzimu opwanika. Un esprit Muzimu de brisement. Opwanika. Si cela n'arrive, nous ne pouvons pas avancer. Que les gens soient touchés. Que les gens reconnaissent qu'ils sont perdus. On peut planter la parole. La parole n'aura pas des effets. Nous pouvons crier. Nos cris n'aura pas des effets. Mais si on peut être brisé dans nos cœurs. Si on peut s'humilier dans la présence de Dieu. On peut commencer une nouvelle marche. Aujourd'hui, nous avons perdu la victoire. Aujourd'hui, le diable vous a saisi. Tu n'as plus la force de la prière. Tu n'as plus la vie de la parole. Le diable t'a enlevé dans la terre promise. À cause du péché. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Il n'y aura pas de réveil. Dieu ne peut pas revenir. Si ton cœur n'est pas touché. Si tu ne reconnais pas. Que tu n'es pas en ordre de Dieu. Aujourd'hui, le diable nous t'a trompé, mon frère. Non, tu es en ordre. Tu es capable. On fait de simples prières. On est à l'aise avec cela. Nous sommes envahis. Les gens devraient avoir peur pour entrer à la porte de l'église.
Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur Jésus. À quoi nous servirait ma sœur? Sister Wanga, vinga tandisile kuchani. À quoi vous servirait mon frère? Vinga tandisile kuchani, brother Wanga. De gagner ce monde. Kuhi na vapasi kopano. Mais de perdre ton âme. Na kuluza soyako. Nous vivons comme si nous n'allons pas mourir. Tinka la monga si za kafapo. Sache qu'un jour. Si ma kuti si kui mozi. Tu seras dans un cercueil. Sache qu'un jour, les gens pleureront sur toi. Sache qu'un jour, tu seras enterré. Mais où ira ton âme après que tu aies entendu la parole? Pendant que tu avais l'important, le privilège. L'occasion t'est donnée aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. C'est là qu'ils sont morts. C'est là qu'ils sont morts. Ils n'ont plus encore la chance. Mais toi, tu es en vie aujourd'hui. Tu es en vie aujourd'hui. Les gens n'ont plus la crainte. On veut parler de l'enfer. Les gens rient. Les gens trouvent normal. On peut parler de la venue du Seigneur. Les gens trouvent que c'est bien. Mais pendant que on n'est pas en ordre, pendant que ta vie n'est pas en ordre, tu peux tromper facilement. Tu n'as plus de culpabilité. Tu n'as plus de conscience. Tu n'as plus le regret que tu avais. Ma soeur, tu peux dire seulement un mensonge. Il n'y a rien qui te reproche. Que Dieu donne à l'église l'esprit. Mulungu a passé mon pingo watu. Musimu. De brisement. Musimu au panika. Mettons à côté. Dieu t'y fait que gumbani. Tout ce que nous avons eu comme expérience. Vous êtes une amgala na vous mon expérience. Oublions le passé. Dieu t'y va le vacudela. Regardons notre vie maintenant. Il a donné malheur à tout pour imaginer. Dieu a dit à vos prophètes. Mulungu na usimu neneri. Le potier. Quand il prenait l'argile, il essaye de former quelque chose. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Mais comme l'argile était dans sa main, il a recommencé. Il a brisé cela. Il a recommencé. Demande à Dieu. Tu es le potier. Moi je suis l'argile. Tu es le potier. Moi je suis l'argile. Façonne-moi Seigneur. Façonne-moi Seigneur. Modèle-moi Seigneur. Fais-moi ce que tu voudras. Fais-moi ce que tu voudras. Change ma vie, Seigneur. Change ma manière de voir. Oh Dieu. Aide-moi ce soir. Aide-moi ce soir. Aide-moi ce soir. À devenir une nouvelle créature. Oh Jésus. Si tu ne me changes pas. Si tu ne me changes pas, que deviendrai-je? Si tu ne me changes pas, où irai-je? Si tu ne me changes pas, que serai-je? Oh Dieu! Jésus! Oh Dieu! Il est capable de tout. Thank you.
Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant. Ambuye somulungu ampamvu zonse. Ce soir, Père. Kumazulo kuna tate. Nos cœurs sont brisés au-dedans. Mitima zatunizo pwenika mukati mwatu. Ce soir, oh Dieu. Kumazulo kuna mulungu wanga. Dieu au dessus. Choka kumwampa. Jette tes regards à cet hôtel, Père. Tiranga neni koni. Pana pamalu. Il y a tes enfants autour de cet hôtel. Kulibana wako wazunguluka ya malu. En vérité, Seigneur. Mwazona mbuye wanga. Nos cœurs sont brisés. Mitimaza tulizo pwanika mukati. Nous avons honte de nous-mêmes. Tizimvela nansoni teka. Nous sommes coupables. Tiriwola kwa tate wanga. Nous nous sommes fortifiés comme Yambranama dans le. Tinazidi mbisa monga William Brana pamela nali musanga. Nous nous sommes sentis un peu légers, Seigneur. Tinazimvela ko pepuka ambuye wanga. Du fait de venir à l'église. Pamela tibula ku church. Nous avons voulu faire des choses, Père. Tina afchita vintu. Pour que les gens apprécient. Kuti bantu batashe. Nous avons voulu écouter les témoignages. Tina frompe vela ma testimony. Qui vient des autres personnes. Yemene choko kubantu benangu. Qui parle combien nous sommes bons. Bamene batuzo bamene tiri wabwino. Qui apprécie combien nous sommes bons. Bamene batita somene tiri wabwino. Mais ils ne connaissent pas notre vie, comme Seigneur. Si la life yadu, ambuye wanga. N'y a que toi, Seigneur. Diwe chape, ambuye. Le grand maître. Master Mukulu. Qui se trouve sur le balcon. Upese ka papa okoni. Nos yeux devraient regarder qu'à toi. Menso ya tu esufuni kolangana iwe. Alléluia. Nous ne devrons pas regarder ce que les gens disent. Les gens peuvent nous apprécier. Les gens peuvent donner témoignage. Même les jours de la mort. Les gens donnent témoignage. Les gens amènent des fleurs. Ça a été notre frère. Il est dans la gloire. Il a été un bon frère. Il a été un soutien à l'église. Mais quand toi le grand maître, tu nous regardes là au ciel, Kumamba, qui secoue la tête. Unyanga ni samutu. Ah, Père, Atate. Est-ce que nous sommes en ordre avec nanga, toi? Tiri muoda na iwe. Est-ce que nos vies, nanga ma life yatu, sont en ordre avec toi ce soir? Muoda na iwe kuma zulu. Nous ne voulons pas nous couvrir de la religion. Sifuna kuzivi ni kila chabe muchipempezu. Nous acceptons comme Yambrana. William Branham, nous sommes perdus. C'est pourquoi, Père, nous sommes agenouillés aussi, Père. Nous sommes venus ici, oh Dieu, pour te demander. Tiens-nous par la main. De nous-mêmes, Seigneur. Nous ne pouvons pas traverser. De nous-mêmes, Seigneur. On ne fera absolument rien. Tiens ma soeur par la main. Tiens mon frère par la main. Tiens nous par la main. Car la parole a dit, tu es le secours. Bien aimé Jésus. En vérité, ta parole est vraie. Ta parole nous a dit, quand nous péchons, nous sommes séparés avec toi. L'ennemi nous envahit. Quand Israël a péché, ils ont été emportés en Babylone. Ils ont commencé à servir les dieux de Babylone. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, Seigneur, les sorciers ont la force.
Les magiciens l'enforcent sur tes enfants. Les esprits impies. On peut tourner. On peut aller. Mais nous revenons. C'est les mêmes histoires. Mais ce soir, ta parole, oh Dieu, nous avons reconnu. Nous avons reconnu. Nous sommes coupables. Dans la quoi? Merci Père. Merci Père. Ziko moi tata. Oui, Abraham a essayé par lui-même. Oui, Abraham a essayé quoi eka? Anaïsa. À trois reprises, il a échoué. Anaïsa katatu enzongo fe lokachabe. Jusqu'à tel point qu'il a réalisé. Baka parler vous mena bona oye. Qu'il ne pouvait pas Seigneur. Sanga kwanise, sanga kwanise. Jusqu'à tel point qu'il s'est agenouillé. Baka parler vous mena bona. Oh, toi la main invisible. Alléluia. Alléluia. Oh, toi la main immuable. Alléluia. 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 Ce soir, Père, nous avons besoin de ta main, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Ne regarde pas nos manquements. Ne regarde pas nos péchés. Nous sommes coupables, Père. Jette tes regards à la croix, Seigneur. Regarde-moi à travers le sang immolé, Seigneur. Regarde-moi à travers l'œuvre du calvaire, oh Dieu. Nous avons failli. Nous sommes indignes, Seigneur. Ce soir, Père, on se retrouve comme Samson.
Tu penses comme Wonga, Samson. Dans les mains de ses ennemis. Mumanjaba Daniwake. L'ennemi se réjouit. Mudani Asangalana. L'ennemi est en train de fêter. Mudani Envelopino. L'ennemi est en train de crier. Mudani Apunda. La force nous est partie, Seigneur. La vie de la parole est partie, Seigneur. La crainte de Dieu est partie. La crainte de la parole est partie. Oh, notre Dieu. Oh, Jésus. Ce n'est pas en vain. Si moi, que tu as dit à Jérémie d'aller dans la maison du potier. Tu as dit, tu es le grand potier, Seigneur. Nous sommes l'argile. Nous ne valons seulement rien. Nous sommes l'argile entre tes mains ce soir. Brise-nous, Seigneur. Brise-nous, oh Dieu. Donne-nous la forme que tu as besoin. Fais-nous tout ce que tu voudras, Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur Jésus. Ah. Donne-nous encore la crainte de ta parole. Nous ne voulons pas se tromper nous-mêmes, Seigneur. Comment tu nous donnes encore la chance de vivre encore? Laisse-nous, Seigneur, que ce jour soit une journée décisive. Une journée décisive. Nous voulons t'appartenir réellement. Nous voulons nous incliner à ta parole. Nous voulons vivre ta parole, Seigneur. Nous voulons te respecter. Respecte ta parole. Respecte tes serviteurs. Respecte tes enfants. Donne-nous cela, Seigneur. Bénis mon frère, Seigneur. Dalisa Mubale Wanga. Bénis ma sœur, oh Dieu. Dalisa Sista Wanga. Nous ne voulons pas un brisement de 5 minutes. Si vous n'avez pas de 5 minutes, quand on se relève, qu'on revienne toujours à la même histoire. Père, attends, Wanga. Quand ces gens-là ont été brisés, quand ces gens-là ont été touchés, Pierre leur a dit de se repentir. Ils se sont repentis. La Bible nous dit, tu étais dans l'obligation de leur donner le Saint-Esprit. Et tu leur as donné. Voilà encore certains. Ils sont tous touchés par ta parole. Ils sont ici, Père, en train de se repentir sur leur vie mauvaise. Bien-aimé Jésus, ce soir, nous ne cherchons pas l'argent. Ce soir, nous ne cherchons pas la guérison du corps. Ce soir, bien-aimé Jésus, nous cherchons la guérison du corps. Notre âme est devenue froide. Notre âme est devenue mince. Alléluia. Guéris l'âme de mon frère. Guéris l'âme de ma soeur. Donne-le un cœur repentant. Donne-le un 6 millions, Dieu. Qu'il n'y ait pas quelque chose qui peut bloquer quand ils vont aller arranger leur vie.
qu'il n'y ait pas quelque chose qui peut endurcir leur cœur pendant qu'ils se mettront en ordre avec toi. Pardonne le Seigneur. Pour ce soir, que ton nom soit béni. Comme tu as songé à nous. Va avec chacun de nous. Tout ceci pour la gloire du Père. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Et récolter aussi les offrandes pendant que les gens sont.